un luxe. Mais... un petit essai, là. Christian, il est. Non, mais Christian, il est hors norme. Regarde. Salut les gars. Voilà. Et là, voilà, vous prenez l'habitude. On part pour le Tour de France. Ce qu'il faut filmer, c'est surtout Christian, qui est un homme extraordinaire. Non seulement un militant du Var, mais surtout une histoire. Je ne vais pas tout raconter, mais il a commencé délinquant dans le Dauphiné, ouais, à Grenoble. Il a été placé dans l'armée, et grâce à l'armée... J'ai fini major, officier marinier supérieur, électronique. Sous-marinier, marin, il a eu une carrière extraordinaire. Il a fait le tour du monde, et parce qu'il a fait le tour du monde et qu'il a aimé la marine, il est devenu patriote. Et je suis rentré en France, je me suis acheté ma première DS. Et ça, c'est une DS 23, millésime 1973. 73, millésime 73. Extraordinaire. L'année dernière. Ça, c'est une des grandes... C'est, on en parlait, c'est comme le Concorde, c'est comme le nucléaire, c'est comme le TGV, c'est comme la Caravelle. La première, avoir pensé, c'est les grandes réussites, mettre les réacteurs à l'arrière entrepreneuriale française. Pour le bruit. Et tous les autres, les Américains ont fait pareil, ils ont mis tous les réacteurs à l'arrière après. Moi, je vous raconte des anecdotes comme ça extraordinaires. Pourquoi regardez avec le drapeau français là. Vous avez remis la première là, voilà, bien. Écolé là. Mais c'est particulier, hein. Et ça date de 55 ce système. Aujourd'hui on appelle ça les vitesses séquentielles. Et le truc à savoir, pourquoi alors je suis droit là, j'ai les roues droites. Ouais. Pourquoi la branche du volant est à moins 20 et comme ça moins 20 on dit. À moins 20. Parce que le fondateur, le constructeur, c'est dit que en ligne droite, tu devais pouvoir poser ton coude sur la coudoire et tenir ton volant comme ça. Alors là, là par contre, t'es dans la merde, qu'il y a une voiture. Et demain, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais, Christian? Marche arrière, c'est quoi? Non. Non. Il va passer, il va serrer. Bah, marche arrière. Attendez, je te dis. Non, voilà. C'est bon. Allez-y. Allez-y, parce que... Non, mais avancez un peu, on s'en va, nous. Mais parce qu'on sait pas passer la marche arrière. Avancez encore un peu. Non, mais elle va se garer là. Stop. Elle va se garer. Allez, là. On passe. Attention, il y a du monde sous le mot qui a un peu de feu. Oh là, le bruit, là. La puissance. La route, hein. Vous pouvez couper là-haut, là. Je fais comme ça, là. Ah, vous manœuvrez là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que vous allez faire un petit bout de route. Bon, allez, on manœuvre là, parce que les gens vont attendre. La marche arrière, ça marche? Elle marche? Je vous dis, je vais descendre pour vous la passer. Voilà. C'est là, non? Avance encore un peu. J'avance encore un peu? Encore. Stop. Là, tu commences à braquer là-bas. La marche arrière, c'est faut pousser un petit peu. Ouais. Il y a un point dur là et là. Ça s'enclenche là. Et là, c'est accélère, c'est bon. Braque tout dans le sens. Là, c'est un peu dur parce que. Elle n'a pas la conduite. Elle accélère en même temps. Mais accélère en même temps, comme ça, elle souffle moins. Les trains avant, voilà. Allez, braque tout. Allez, fais. Y a de la place. Impeccable. Viens. Allez, on braque tout. Première, viens. Tu reviens. Je reviens en première. Voilà, clac. Voilà, hop. Tu braques tout et tu reviens. Ah, je t'attends. Vas-y. Ah bah là, t'as le... Là, c'est l'esprit d'enfance qui revient, là. Et après, clac, pour passer la deuxième. Fantastique. Maintenant, on aura plus le droit de poser sur les voitures à Paris. Bah oui, et alors justement, j'ai déposé une proposition de loi, à l'époque, pour permettre à tous les collectionneurs vélo, moto, et vieille voiture d'échapper aux règles des écolos tarés là. Moi, un jour, des ayatollahs là. Vous enverrez un topo là-dessus. Vous direz voilà où on veut pas se faire croquer. Attention à droite. Hein. On passe bien là. Ouais. Allez, rentre le milieu. Oui, c'est comme l'ancienne. Attends, je vais te prendre un photo, Guillaume, avec la lumière. Attends.